Si vous n'arrivez pas à saisir ce qu'il est, de par son nom. Amen. Amen. Et j'ai entendu des gens dire, est-ce que pouvons-nous prier à Jésus ou à Dieu le Père? Et je vais répondre rapidement à cette question. Je suis en train de faire mon introduction. Nous ne prions pas à Dieu, à Jésus, nous prions à Dieu. Mais au nom de Jésus, nous pouvons adorer Jésus. Nous pouvons adorer le Saint-Esprit. Nous pouvons adorer le Père. Mais lorsqu'il faut parler, nous parlons à Dieu le Père au nom de Jésus. Ainsi, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et ce matin, peuple de Dieu, puisque notre prière est adressée à Dieu le Père, au nom de Jésus, je suis convaincu qu'il ne manquera pas à nous accorder des moments de grâce, à nous accorder des moments merveilleux dans sa présence. Parce que quand le nom du Père est exalté, la présence de Dieu se manifeste. Amen. Et je dis ceci, le nom de Dieu, le nom du Père, c'est un nom qui sanctifie. Et toutes les révélations pour trouver l'exaucement dans nos prières reposent dans la révélation du Père que nous avons. Qui est le Père pour vous? Qui est le Père? Jésus nous a appris à prier. Mais il nous a conduits au Père. Amen. Hey. Qui est le Père pour toi? Et le nom, la réalité de ce nom-là, qu'est-ce qu'il y a dans ce nom? Qu'est-ce qu'il y a dans le nom du Père? Qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Dieu? Kombo solo ezali na kombo wana ezali ezali nini nini ezana kombo ya tata ne loko nini bomba mi na sima na kombo wana. Et nous sommes en train de nous poser une série de questions. Boye tozali komi tuna mwa mituna mingi. Mais nous comprenons déjà d'emblée. Tozako sosola mbala moko. Que le nom devient une clé. Ete kombo e komi fungola. Pour que la grâce de Dieu se manifeste. Po ete ngolu na nzambe etalisa. Amen. Amen. Reprenons maintenant notre lecture. Le verset 9 dit ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un lien entre le nom qui sanctifie et l'exaucement de nos prières. Parce que le nom qui sanctifie, c'est le nom que nous sanctifions d'abord. Et à son tour, ce nom nous sanctifie. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Le nom de Dieu que nous sanctifions, premièrement, nous le sanctifions. Mais la deuxième action, ce nom-là nous sanctifie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie ceci. Lorsque le nom de Dieu est sanctifié, premièrement, le nom de Dieu attire le règne de Dieu. Oh, le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu est composé de cette manière. C'est composé avec des milliards d'anges. Et ensuite avec les esprits qui ont atteint la perfection.
Et ensuite du sang de l'agneau qui parle sans cesse. Et après avec le Jésus qui est le consommateur de notre foi et le médiateur d'une nouvelle alliance. Et après le Père qui remplit tout en tout. Et quand le nom de Dieu est sanctifié, le règne de Dieu vient. Et le règne de Dieu, vous imaginez comment ça se compose. Il y a le myriade des anges. Et il y a des esprits qui ont atteint la perfection. Des esprits qui ont atteint la perfection. Il y a le sang de Jésus qui parle à chaque instant. Et il y a le Père. Le Père qui sanctifie tout. Qui remplit tout en tous. Il y a le Fils. Qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Je veux que vous puissiez commencer à imaginer cela. J'aimerais que vous puissiez déjà commencer à créer une image dans votre esprit. Et vous allez vous rendre compte que le royaume de Dieu est plus que ce que nous pensons. Et le qui, Mosika Otokanisaka. C'est loin de ce que nous imaginons. C'est le gouvernement de Dieu. Et quand Dieu s'installe, il y a quelque chose qui commence. Et le diable ne peut pas. Mais aussi, je vais vous ajouter un élément. Dans le royaume de Dieu, il y a le temps et l'espace qui est l'ouvrage de Dieu. Pourquoi je dis le temps et l'espace? Parce que le diable veut t'imposer son temps. Il y a des gens que le diable a déjà imposé le temps fixé. Il dit alors, avant le mois de décembre, tu devais mourir. Et donc on a programmé qu'avant la fin de l'année, on a fixé aussi un temps de ta perte. Cependant, le diable n'a jamais créé le temps. Il n'a jamais créé l'espace. Il est dans le temps et dans l'espace. Il n'y a que Dieu qui est dans le qui est le maître de temps et de l'espace. Et quand le royaume de Dieu vient, non seulement vous avez le gouvernement de Dieu, mais vous avez la capacité de modifier le temps que le diable a fixé. Vous avez la capacité de dire arrêtez, de changer le programme. Si on avait dit à 15h tu vas mourir, quand le royaume est avec toi, vous pouvez arrêter le temps là. Le diable ne peut jamais arrêter ce temps. Les sorciers ne peuvent jamais arrêter ce temps. Amen, amen. Ils ont la capacité de monter de stratégie. Mais ils n'ont pas le pouvoir de manipuler le temps et les circonstances, parce que notre Dieu, il est capable de manipuler le temps et les circonstances. Et dans le royaume de Dieu, tous les bien-aimés de Dieu opèrent dans cette dimension
dimension là d'arrêter le temps de l'ennemi et d'appeler le temps de Dieu, d'arrêter la saison de l'ennemi et d'appeler la saison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au bien-aimé de Dieu? Vous avez le pouvoir parce que le royaume de Dieu est avec vous. Il est écrit, petits enfants, je vous ai donné le royaume. En d'autres termes, le règne. Quand vous bougez, vous bougez avec les milliards des anges. Vous bougez avec le sang qui parle. Vous bougez avec le Saint-Esprit. Vous bougez avec les esprits qui ont atteint la perfection. Vous bougez aussi avec la gestion de temps et de l'espace. Alléluia. Amen. Amen. Le nom qui est sanctifié ne nous donne pas seulement ce pouvoir. Il ne nous donne pas seulement le pouvoir de vivre ou d'opérer dans le règne de Dieu. Parce que le nom qui sanctifie veut dire ceci. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Nakokoloba. Le nom qui sanctifie, comme ils ont sanctifié, revêt deux caractères. Yango elati toloba bilembo mibale. Loin de te dire fuir le péché. Musika nakoloba na yo kima masumu. Parce que vous avez une nouvelle nature. Pamba te okomi na bomoto yasi. Vous êtes né de Dieu. Obotami na nzambe. Vous avez vaincu le péché. Olongi masumu. Le péché n'est plus votre affaire. Sanctifié par Dieu. Mis à part par Dieu. La première chose que Dieu traite dans ta vie, c'est de te régénérer. En d'autres termes, de te donner sa nature. Et quand vous êtes né de Dieu, c'est l'Éternel qui vous sent. Oh, la sanctification veut dire quoi? Être mis à part. Oh, la sanctification veut dire mis à part. Pour Dieu. Ce n'est plus pour vous-même. Mais pour Dieu. Mais parce que vous êtes mis à part pour Dieu. Écoutez-moi maintenant. Vous devenez un consacré. Or, ce qui est consacré, c'est ce qu'on a. Parce que le mot consacré, c'est un mot qui a deux dimensions. Un mot composé. C'est con avec et sacré. Avec le sacré. C'est-à-dire, on vous colle avec le sacré. Oh, ce qui est sacré, c'est Dieu lui-même. Et on te prend, on te colle avec Dieu. Ça veut dire ceci, vous devenez un. Puisque vous devenez un, le problème de péché est déjà résolu. Ce qui est sacré est l'objet du respect. As-tu déjà vu dans le village, dans nos villages? Lorsqu'on prend quelque chose qui est sacré, et les gens peuvent s'approcher à ce qui est sacré comme ça. Tout le monde s'approche avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'on l'attache avec ce qui est sacré. Et tu deviens sacré. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté. Moi, je suis un consacré. Ah, moi, je suis un consacré. Je suis un sacré. Nazali, oh, bah, et
et tout ce qui est sacré, on ne touche pas ça n'importe comment. C'est